plus d'argent. Non mais surtout qu'ils ont fermé pendant je sais pas combien de temps, ils ont ouvert il y a pas longtemps. Non mais je franchement sur le cul. Sur le cul. Pour ceux qui demandent la ville, on est à Mandelieu-la-Napoule. Plus jamais. Je vous le dis, plus jamais. Bah, je crois que ça va finir McDo chez moi. On va tous prendre McDo, tous défiler. On teste un dernier resto. Donc Jimmy est parti demander. J'attends. Un couvre-feu en France. Je suis choquée. Alors qu'il y a des pays comme le Maroc qui galèrent parce qu'ils ont un couvre-feu à 21h. Donc leur cuisine ferme hyper tôt. Ils aimeraient bien genre fermer à 3h du matin. Et là, non. Semaine où il y a des gens. Parce que c'est la dernière semaine de vacances, donc ça peut débiter un minimum. Donc là, j'attends Jimmy. On a réussi. Par contre, c'est que pizza et salade. Ouais, ils arrivent. Par contre, c'est que pizza et salade. Parce que c'est... Ça vaut tout le monde. Le tennis à Mandelieu et ils nous ont dit oui et je suis très contente. La salade, la pizza au saumon. Allez, blanc bon beurre. Ah ouais. Moi je préfère le faux en vrai. C'est bon pour le cerveau. Maman. Moi je préfère le chocolat tismé. Ça lui va bien. Bon, du coup, Jimmy a décidé, même si je lui ai fait des remarques sur son avion, où j'ai rêvé que... voilà, ça y est, il me quitte et j'en vois plus jamais. Ça, c'est un truc qui m'énerve au plus haut point, quoi. Tu laisses ton chien dans ta voiture pendant que tu vas faire des flics, mais c'est vraiment un truc qui me dégoûte. Le chien est en train de mourir de chaud. Bête de meuf, j'ai des bêtes de sac, une bête de gauve et une bête de taf. Je t'ai pas attendu pour kiffer ma vie. Et c'est pas avec toi que j'ai découvert Louis V. J'ai des bêtes de potes, une bête de carte. Mais c'est pas le chien dessus, non, c'est bien mon blague. J'ai pas attendu, je connais. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, il est relou. Putain, je viens de changer mes draps en plus là, vous êtes dessus. Je vais les tuer. Qu'est-ce que tu fais? Toute propre, tout est en train de sécher. Bon, ça y est, Jimmy, c'est parti. J'espère que vous passez une bonne journée. J'ai toujours mes amis chez moi. Là, ils sont partis à la plage, mais vu le temps, franchement, et j'avais des choses à faire, j'ai dit, mais pas du tout. Du coup, je vais en profiter pour me reposer un petit peu parce que ce soir, on va faire un repas tous ensemble, tout ça. Et donc, voilà. Donc, eux, ils sont à la plage, mais à mon avis. Ils vont se manger un orage de dingue parce que le ciel est vraiment tout noir dans le sud. Donc ça va être huitième arrondissement, 7-7-8. J'suis dans tout ce qui n'est pas permis, j'suis dans des mauvais jazz. Ça flingue, ça canard, j'ai un benga. Sous la nora, pas bon mes locaux. Kojo Jo, Liga, Adriano, c'est les femmes. C'est pas ma chère.
qu'est-ce que tu veux? C'est la règle zéro. Tu ne respectes pas la règle zéro. Tu sors. Le sourire, le regard. Parce que s'il est dans le jacuzzi, c'est mort. Je te rejoins. Check ça. Ouais, franchement, il n'y a plus d'âge. Hein. Si je dois faire un gosse à 49 ans, je ferai un gosse à 40 ans. Pas mal. Je me suis souvent dit qu'il ne tente rien à rien. Ça ne m'emmenait que du rien. Et des fois, c'est immédiat et après, je te rends compte qu'en fait... ça colle pas, quoi. Une personne qui te fait rire, c'est la base. Par contre, faut qu'elle me plaise un minimum, physiquement. Si elle me fait rire et... elle ressemble... Bref, je dirais pas de nom. Non. Autonome, ça, c'est trop la base. Genre, marre des mecs assistés. Ah, toute ma vie. Ça, c'est toute ma vie. Autonome, genre la base. Confiance, la base. Gentil, la base. Pas trop gentil non plus. J'ai eu un coup de foot, enfin, je pensais... Ça se transforme en coup de tonnerre, frère. Coup de foudre, il était éclaté. Papillon dans le ventre, car il fait boum boum. Mais est-ce que ça a duré éternellement, ça? Ah, mais ça, c'est la base. Vraiment, la confiance. Oh, si t'as pas confiance, c'est mort. Puis la communication, bien évidemment. Communiquer. Pff, ça, c'est la clé de la réussite. Non, il en faut plus, quand même. Genre, pour que tu te dises, c'est bon, c'est lui, faut qu'il t'invite en Espagne. Non, ma sœur, c'est pas possible. Je comprends pas. Expliquez-moi. Hein. Est-ce que quand vous êtes dans la rue, vous allez aller voir une personne et lui dire t'es vilaine? C'est pareil, on se connaît ap. Si t'aimes pas, si tu me trouves chème, tu commandes pas. Non? Après, j'en ai rien à foutre. Parce que personnellement, en plus sur la photo, je me trouve grave fraîche. Donc... Mais. C'est normal ça?